Bonjour. 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 Ça va? Oui, ça va et vous? Mais tu trembles pourquoi? Je tremble pas. On t'appelle comment? Non, moi c'est Wilfried. Wilfried et? Belle. Et Belle. Oui. Wilfried et Belle sans? Non, Wilfried, excusez-moi. J'ai dit Wilfried, non? Non, j'ai dit Wilfried. Ah, Wilfried. Non, peut-être c'est parce que je parle vite. Wilfried et Belle, vous êtes? Collègues de classe. Amis, depuis un moment aussi. Des amis. Tu sûr et certaine. Oui, puis d'arrêter de regarder l'enfant des trucs comme ça là. Non, mais je peux le regarder parce que c'est pas mon genre. Ah, il dit c'est pas mon genre. Ah, là, tu l'as tué en fait. Non, j'ai pas tué. Sinon, comment s'est passée votre année 2023? L'année 2023. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette année 2023 là? La galère. La galère. Tu as souffert. Trop. Et tu as dit. Mais moi, de mon côté, rien ne m'a marqué. Hein. C'était une année comme les autres. Il n'y a pas eu quelque chose de particulier en 2023 pour toi? Pas du tout, non. Ah ouais? Non. C'est chaud. C'est vraiment très chaud. Déjà que la galère fait partie de notre vie déjà, donc du coup, je peux pas dire que ça m'a marqué. Pas de notre vie, parce qu'il y a certains qui galèrent pas. Ah oui, c'est pas faux. Hein. Il y a des gens qui ont de l'argent. Hein. Bah voilà, forcément. Donc s'il y a des autres qui sont en bas, il y a forcément des autres qui sont en haut. Toujours, ah oui, toujours. Mais les chaises, c'est comme ça. Hein. C'est comme non, ça que le 25, nos 25 de Noël, là, ça s'est passé comment? Moi, j'étais à la maison, il y avait la pluie, je me suis lavée sous la pluie, j'ai joué au Nzango avec ma soeur. Tu as joué au Nzango, tu as quel âge? J'ai 22 ans. J'ai 22 ans. Petit Jean-Claude. Eh bien, j'ai le droit de m'amuser, hein. C'est pas parce qu'on grandit qu'on ne peut plus faire certaines choses. Okay, après, on était qu'à deux dans la parcelle, c'est pas comme si on allait nous voir. Ne me dis pas que vous étiez genre. Genre quoi? Vous étiez habillé comment? Ah, normal, hein. On avait des pantalons avec. Ah, ok, d'accord. Parce que quand tu as dit que vous étiez seul là, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, toi, ça s'est passé comment ton Noël? Tu veux vraiment savoir? Bon, de 1, j'ai eu moitié que j'avais cours. Tu as moitié que j'avais cours, oui. Le 25. Mais c'était pour. C'est quel parent qui a cru ça? Mais c'était pour pas qu'on puisse t'envoyer. Ah, parce que okay. Quand je suis chez moi, fais ceci, fais cela, il fallait que je montre que j'ai cours, que j'avais cours, excusez-moi. Et puis tu es sorti? Moi, je suis sorti. Tu es parti où? Bon, ça, c'est. Mais tu n'étais pas informé? Je ne savais pas. Mais ma meilleure amie. Mais c'est pas ma meilleure amie. Hein. Ah, c'est pas ta meilleure amie? Non, c'est pas ma meilleure amie. Ok, ok. C'est juste ton ami Sam tout court. Bon, en fait, on a fait lycée ensemble. Donc, après... En fait, c'est... on est ensemble à l'école depuis. On était à LTG, c'était en première. Ça fait un long moment déjà. Mais à un moment, on se perd, à un moment, on se revoit et tout. Et là, on donc s'est revus lorsqu'on a commencé. En gros, c'est ici qu'on est venu se croiser. Se recroiser plutôt. Oui. Voilà. D'accord. Mais toi, le 25, tu étais parti où? Arrête de mentir. Dis-nous la vérité. Tu es allé où? C'est confidentiel. Wilfried. Toi, tu es allé voir la petite? Quelle petite? Moi, j'ai pas de petite. Ah. Mais si c'est confidentiel, on t'a nié de votre. Tout le Congo en tannier. Non, oui, il n'a pas les petites. Elle ne va pas voir ça. Elle va pas voir. Ah, donc là, tu reconnais maintenant que tu as une petite. Non, au fait. Tu as vu? Tu as vu comment on vous attrape? Petite, c'est trop dit. C'est trop dit. Petite, c'est trop dit. D'accord. Mais disons, 2024, ça s'annonce comment pour vous? Pour moi, ça s'annonce bien parce que quand on dit nouvelle année, nouvelle ère, tout recommence en fait. Les nouveaux objectifs, tu es sûr? Nouveaux objectifs, oui. On change beaucoup de choses, on change de comportement, on change peut-être aussi de style. Et on change de gars. Non, on ne change pas de gars. Moi, j'ai mon petit ami depuis 2018 et jusqu'à aujourd'hui, c'est lui. On avance. Petit, il faut épouser. Hein. C'est pas seulement. Ah là là, Wilfried 2024. Bon, déjà pour moi 2024, bon, c'est comme elle a dit, elle a tout énoncé. Après, je souhaite juste que ça puisse être une bonne année. Ouais. Beaucoup d'argent, ouais. Parce que l'argent c'est important. Ouais. Ouais. L'argent c'est important. Après, pourquoi pas trouver l'amour aussi? Ah, toi depuis là, tu n'as pas encore. Ah, toi aussi. Tu nous as dit que tu as quelqu'un. Non, j'ai pas dit que j'ai quelqu'un. C'est toi. Tu as dit elle va pas voir ça. Elle là, c'est qui? Ça peut être ma mère. Hein. toi, tu es philosophe. Tu as fait beaucoup la philosophie un peu. Bon, j'ai un bac littéraire, donc voilà pourquoi. D'accord. En quoi êtes-vous gratifiant pour cette année? Bon, déjà, histoire d'être gratifiant là, déjà ici, lorsque nous sommes là, c'est très compliqué. Donc là, déjà, pour s'admettre, c'est chaud. C'est chaud. Donc, on croit juste les doigts que les docs, excusez-moi, puissent être indulgents. Indulgents. Oui, c'est ça. Donc, Frère, tu es venu là où les gens meurent. Donc si tu peux, si tu survis, c'est que c'est bon. Non, il n'y aura pas de gratuité, les banines, tu vas souffrir. Non, là, c'est pas de ma faute. Parce que le vieux, moi, je l'ai fait comprendre là-bas, on mange les sachets. Il n'a pas compris. Ah. Moi, j'ai dit, là, c'est chaud. Okay. Vous, okay. Vous connaissez les papas congolais, hein, surtout quand tu as un papa qui est militaire. Ah, en plus. Ah, il me fait comprendre, tu vas là-bas, il y a des gens qui réussissent. Ah. J'ai dit, ok. On a dit la même phrase, donc il ne peut pas dire. Donc là, c'est votre première année ici en fait. Oui, c'est ma première année en faculté de droit. Okay. Vous étiez au départ, vous étiez ici, toujours dans Brazza ou bien non, dans moi, les... j'étais à Pointe-Noire. J'ai eu mon bac à Pointe-Noire et je suis venue ici. Ah, okay.
Là, tu vis chez la famille ou bien tu loues comme tout le monde? Je suis chez la famille. Et comme tout le monde, qui loue ici? C'est là, non, ouais. Si, c'est les menteurs, hein. Ils habitent chez les gens. Ici, pour louer à Brazza, c'est pas facile, hein. Ouais, c'est chaud, D'abord, t'habites toi-même. Le manger est difficile sur tous les déplacements ici à Brazza. C'est la merde. Toi, tu es dans quel quartier en ce moment? Kisundi. Pour venir au moins, j'ai un bus à prendre, mais. Faut préciser. De toute façon, on se bat. Faut préciser, tu prends les taxis-motos. Ah. Mais quoi, ça va mais pas, c'est je pareil. Prends les taxis-motos. Fait comment même? C'est pareil. Non, c'est un moyen de déplacement. Non, papa, moi, je peux pas me battre. De toute façon, on se bat là-bas le matin pour prendre le bus là. À partir de quelle heure? 6h, 7h, 8h, c'est la même chose. Dans la norme, une vraie go, quand tu le vois là, genre c'est les bien habillés. Elle peut prendre un taxi moto. Mais pourquoi pas? Non, mais ça rouille. Mais attends, moi rouille, je viens déjà... pour l'école. Quel que soit le moyen que j'emprunte pour arriver là, il n'y a pas de problème pour ça. Mais pourquoi tu marches pas? Je viens pour... Je marche pour... Yeah! Ça aussi, c'est abusé. Elle va transpirer après, elle va venir, toi aussi. Non, mais on est plus de 1000 ici. Qui va toi, tu es dans quel quartier? Qui est moi? Ah, le... bon, déjà l'arrondissement le plus vulgaire de Brazza, vous connaissez, non? Bakongo. Ah, t'as dit qu'on est. Ok, ok. Il est sauvage là-bas, quoi. Donc, toi-même aussi, tu es sauvage, en fait. Excusez-moi, mais vous êtes sauvage, ce débat qu'on voit. Très, très sauvage. Ok, franchement, merci beaucoup. J'ai apprécié cet échange. Non, mais le plaisir, il est partagé. Il est très, très partagé après. Bon. J'espère que. Je ne l'interromps pas. Abonnez-vous massivement. D'accord, merci, c'est gentil. J'espère que vous allez avoir ce que vous voulez pour 2024. Et surtout que, voilà, Marine Gwabi va vous faciliter un peu la tâche. Aïe, faciliter la tâche à qui? C'est un souhait, non? Ah, merci. On souhaite toujours. Merci pour le souhait, mais moi, j'essaie d'aider à papa marcher comme ça même. D'accord, c'est pas grave. On sait, en fait, on avec nous tes lunettes là, tu as réussi, t'inquiète. Attends, on veut enlever ça d'abord. On nous ment, tout va bien et tout. On nous ment. À peine arrivé, tu es déjà en train de parler comme ça. Et si fatigué. Déjà, quand il y a coupure là, il y a plus court. Moi, je quitte chez moi, je dépense, j'arrive ici. Et quand tu arrives, on te fait comprendre que c'est parce qu'il n'y a pas courant, on ne peut pas faire court. Aïe. Et tu es là, hein, tu transpires parce que tu attends. Et le doc, il ne vient pas, Donc, un jour, un doc. Vous fréquentez combien de fois par semaine? Deux seulement, au lieu même de venir, ils ne viennent pas. Et tu sais quoi, c'est deux jours. Deux jours, au lieu de venir, ils ne viennent pas. C'est pas gentil, ça. Abusé. D'accord. Mais c'est que ça va aller. Non, mais ça va aller comment? Là, il y a des fois, tu as envie de rester à la maison, mais... Tu peux pas. Tu viens deux fois par semaine, ça va, hein? Non, en fait, pour moi, c'est un truc qu'on devrait même changer. Deux fois par semaine, ça ne m'arrange pas. Tu veux faire quoi? Déjà, on vient à peine de quitter le lycée, vous voyez. On vient de quitter le lycée et on est habitué à aller à l'école tous les jours. Ouais. Donc du coup, faites au moins quatre fois dans la semaine ou trois fois. Tu veux grandir ou pas? Je veux grandir, mais c'est comme ça qu'on va grandir là. Non, si c'est comme ça, je peux faire rester. Ça veut dire que les trois autres jours là, tu essaies de trouver quelque chose à combler. Oui, c'est vrai. En fait, ici aussi à la fac. Hormis d'abord le fait d'aller à l'école, il faut chercher un truc à faire. Ouais. Parce que si tu es seulement à la maison en train d'attendre le jour que vous aurez cours, ça ne peut pas marcher. Bah voilà. Ça ne peut vraiment pas marcher. Donc hormis l'école, j'ai beaucoup de choses que je fais. Je suis dans l'art, j'aime la musique, j'aime la danse. Tu es dans l'art, tu fais quoi précisément dans l'art? Précisément, les la tableaux danse. Ah, la danse, oui. Je suis une danseuse. Avant, je dansais et tout, mais là, j'ai arrêté. Mais je suis en train de chercher à faire un groupe de danse. Mais j'ai du mal à trouver des gens pour danser. On est à Brazza, je ne connais pas assez de gens et je dois encore... voilà donc, quoi. Donc, chercher et t'habituer, en fait. Oui, m'habituer. D'accord. Mais, merci beaucoup. Bonne journée à vous et merci que Dieu vous bénisse. Salam alaikum. Dans un micmac, vous, va, vous.